Donc depuis cette semaine d'ailleurs, chat, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant tout court en fait, depuis cette saison, donc la saison 4 de Shadowlands est totalement différente aux autres saisons de Shadowlands. En gros, on peut jouer tous les raids de Shadowlands, donc 3 raids de Shadowlands, pas tous les raids. Si, il y a eu 3 raids, je sais même plus. Bon, en tout cas là, cette semaine, c'est Castle Latria. Et en gros, Castle Latria, on a donc des affixes sur le raid. Les boss ont des affixes. Comme en Mythic Plus en fait. Et en gros, les boss, les raids, en faisant les raids en Fated, donc en difficulté maximale, etc., avec les affixes, eh ben, vous avez des loots plus élevés, vous voyez, à l'e-level de la saison, équivalent à l'e-level de la saison. Donc 304 jusqu'à 311 e-level. Alors que la saison précédente, c'était combien? C'était 290, je ne sais plus. 285, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ils ont rajouté une saison avec de l'e-level en plus. Ils ont aussi changé les donjons. Donc on n'a plus les donjons de Shadowlands, on a des donjons qui ont été choisis depuis la nuit des temps. Hein. On a des donjons de WoD, on a des donjons de MOP, on a des donjons de... Bref, on a tous les donjons. Les seuls donjons de Shadowlands qui sont restés, c'est Street, c'est Tazavesh, Street et Tazavesh Gambit. Et tout le reste, c'est des nouvelles affixes. C'est des nouveaux donjons, je veux dire, avec une nouvelle affixe de saison, évidemment. Et en gros, depuis que c'est sorti, donc la nouvelle saison, à peu près un mois et demi, on avait une affixe par boss. Et depuis cette semaine, nous avons donc deux affixes potentielles. Qu'on décide de jouer ou pas. On peut... Alors, quoi que si. Si, on décide de jouer ou pas. Je crois que si. Bah, je vais voir, de toute façon, cette semaine, parce qu'on n'est pas, encore allé en raid. Mais en gros, on peut aller jusqu'à deux affixes par boss. Et en fait, l'affixe, ce n'est pas réellement qu'une affixe. C'est aussi un bonus. Et ce bonus, en fait, en jouant l'affixe correctement, c'est souvent une strat. Là, par exemple, il y a un dispel sur une personne. Il y a trois personnes dans le raid qui vont avoir un debuff magique. On va les dispel. Ça va mettre des soaks au sol. Quand on soak à l'intérieur, eh ben, ça va nous apporter une réduction de cooldown, un buff de movement speed, etc. On gagne, en fait, en jouant l'affixe, on va gagner un bonus d'ailleurs. Et donc, depuis le début de la saison, on avait une seule affixe de disponible sur les boss. Et là, depuis cette semaine, on a donc deux affixes potentielles. Alors après, attention, parce que ça peut être traître, ça peut être piège de jouer deux affixes sur les boss. Faut quand même gérer les boss d'une manière différente. Alors évidemment, ils ont été rescaled, etc. C'est pas les boss comme on a connu au début de Shadowlands, par exemple, pour Castle Latria. Ils ont été rescaled, plus de PV, plus de dégâts, etc. Mais c'est quand même devenu... Le but n'est pas d'être un... Le but, c'est pas un progrès, évidemment. C'est que ça soit... C'est que ça soit quand même fun et assez facile et cool à jouer. C'est pas un vrai progrès, hein. C'est vraiment... on la clean, pour vous donner une idée, on la clean en le deuxième sort de raid, première semaine que c'est sorti saison 4 Castle Latria. Donc là, cette semaine, c'est une sorte de nerf encore pour ceux qui n'arrivent pas à clean le raid. Si tu juste apprends à gérer les affixes, bah le boss dure beaucoup moins de temps vu qu'on a encore des bonus de dégâts. Quoi. Voilà, je sais pas si j'ai été clair. J'essaie d'expliquer rapidement. Ouais, Choubs. Allez, là on tape. Oh, oh mon dieu! Vous voyez quelque chose le chat? On voit rien, putain de merde! Ah c'est les boules hein. Quand tu dispel, c'est moi qui dispel en plus. C'est la fixe. Ah ouais, y a quelqu'un qui s'est pas caché quoi. Ok. Bon après là on le zergue. On le zergue exprès, hein, je heal pas, on fait que de DPS. Niav, il a un peu de... il a un peu heal, Ouais ça repoule. On a trop de DPS en fait, on l'a passé trop vite.
sur ce coup-là. Ça va mieux hein, quand il n'y a plus d'AD. Meilleure musique. Ouais, faut que j'arrête de DPS le boss, hein. Faut vraiment que j'arrête. On va DPS les AD, hein. On a 3 DPS sur le boss. Du coup, moi j'arrête complètement. Yeah.
Je vais... Les socles, hein, c'était un enfer, les gars. Ça a été si mal positionné. Bon, bon, il va mourir quand même. Ah, j'ai voulu aller au CAC au dernier moment parce qu'il y avait un soc qui était trop mal positionné. Je sais pas qui c'était. Et j'avais déjà failli sur le truc d'avant, donc... Heureusement, on a sauvé le truc, mais bon. Attends, mais il est où Krusty au fait là? Je l'ai pas vu une seule fois dans le raid là encore.
C'est si naze. De 10. Putain les gars, faudrait que j'aille me couper les cheveux. Faudrait que j'y passe cette semaine, mais j'ai la flemme. J'ai une flemme les gars. On fera pas une 43. C'est de la merde, j'ai la Belt 311. DPS. Dispel au cac. Pas dispel après là.
C'était quoi ça? C'était un revival ou quoi, Skyrix? Du lynx. Il est là le hippo. Il dit rien, il est là en zoom zoom. J'ai pas eu le temps de voir ce que t'as écrit. J'ai juste vu ton pseudo. Le boss a 0 PV, on le soulève. J'aurais dû attendre. Raid de Stark marche toujours bien, j'ai jamais de mal à trouver des gens pour raid même avec le jour de reset, donc ils ok. Ouais non mais oui, j'imagine que ça marche toujours bien, comparé à New World. Donc là pour ceux qui n'ont pas compris, je suis mort parce qu'à ce moment là normalement je suis censé, j'ai le temps pour prendre le TP deux fois, au moment où les ads sont derrière moi parce que j'étais fixate, j'avais un ad à moi. En gros, si je me fais toucher par là, je suis MC. Je suis raise. Attention aux trappes là derrière le boss. Ring of Power, je connais pas. Et j'étais en mode, ça va être bof la saison, tu vois, et tout. Et au final, pour moi, c'est peut-être même la meilleure saison, tu vois. C'est peut-être la saison où j'ai le plus kiffé, tu vois.
comme ça lag. Donc là ça lag beaucoup parce que on joue les double affixes et tout. Normalement ça lag pas comme ça. Hein. Oh MG. Bon là une petite plume ça ferait du bien. Ça ferait du bien en vrai une petite plume. Pourquoi cette musique elle revient d'ailleurs? Faut que vous sautiez hein, Sinès, Giga, allez-y hein. Ça. je m'en souviens très bien. J'étais pas au cac, j'étais encore plus long que toi. Sauter, hein, sauter. Fux, il faut que tu... Oh ouais ouais ouais. Oh ouais ouais ouais. Oh ouais ouais ouais. Dancing Fever dans quelques instants. Ah c'est vrai que c'est la transi. Oh là là, la transi juste à nos pieds. C'est magnifique ça. Magnifique ça. Est-ce que quelqu'un d'autre du Red Stream? Je sais pas du tout. Oh ma pauvre, te plaît pas Alcan? Dis-le, dis-le, dis-le. Vas-y dis-le, dis les termes. Dis les termes, Kusa, tu nous emmerdes. Ta pauvre, on en a rien à foutre. Donne-moi un autre streamer, Kusa. Vite.
Il y en a qui vont mourir. Je vous l'avais dit, hein. Il y en a qui ne sautent pas. C'est ça? On le tuera jamais. C'est ça que tu voulais dire, Jésus? Deux fois, hein. Deux fois le kick. Deux fois on aurait pu wipe les gars parce qu'on n'a pas kick. Transi. Boogie down. Dance forward. Boogie down. Oh le luxe! Comment qu'il va le luxe? Merci frérot pour le giga host. Le giga 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 host. Regarde, ça te rappelle rien ça? Ça te rappelle rien frérot? Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Bienvenue, bienvenue, installez-vous, c'est du PVE, ça va vite vous endormir, mais vous inquiétez pas, on a fini. On a fini, on a fini, on a fini. Vous inquiétez pas les gars. On parlait de toi en plus Luc juste avant. Enfin c'est pas moi qui ai parlé de toi, c'est Hippo. Dark Recital. Est-ce que là t'as des hautes. T'as des remontées ou pas là? T'as des remontées? En vrai il était cool ce boss, franchement. Je suis sûr qu'au final t'as kiffé un peu quand même. En vrai t'as kiffé un petit peu quand même. Je pense que t'as kiffé un petit peu quand même. Un petit peu, un petit peu. C'est comme si t'allais faire de la 2v2, tu vois ce que je veux dire? Oh du leash, mais merde quoi! Putain! Donnez-moi des vrais jambiers avec de l'avoidance, bordel de merde!